C'est pas trop tôt. Où allez-vous? Hé! Vous êtes pressé? Corbeau Hardy nous attend. Oui, il a besoin de nous pour capturer un nouveau Mustang. Ah bon? Je vais venir avec vous. Impossible. Quoi? C'est trop dangereux pour toi, arc-en-ciel. Rencontrer toutes sortes de bêtes dangereuses dans la forêt. Mustang ne doit pas être bien loin. On va l'attraper avant le coucher du soleil. Et tu sais qui va le voir le premier, Yakari? Personne, si vous continuez à faire tout ce bruit. Arrêtez! Il a rejoint son troupeau. Là, ils se sont séparés. La question est, de quel côté est parti le Mustang que nous cherchons? Là-bas! Là-bas! Silence! Plus. Mais c'est bien dommage. Ce Mustang aurait été vraiment très utile pour la tribu. En effet. Vous avez encore des choses à apprendre, les papouses. Dispersez-vous pour améliorer les recherches. Là. À votre avis, de quel animal s'agit-il ? Ça, un élan, bien sûr. C'est un wapiti. Tu as raison, Yakari. Bien observé. Et d'ailleurs, il n'est pas loin de nous. Et là, plus difficile. Vous avez une idée? Un serpent à sonnette. Cette fois encore, c'est une bonne réponse, Yakari. Et que doit-on faire quand on croise la piste d'un serpent à sonnette? On ne doit pas la franchir. Et il faut demander la permission à l'esprit du serpent. Bien répondu. Je le savais. Pourquoi vous affronter? Quand vous vous entraînez, vous faites de bons pisteurs tous les deux. Allons-y.
Graine de bison, le meilleur des pisteurs va débusquer un animal exceptionnel. Hey, il a dit qu'on était bons tous les deux. Attends-moi, graine de bison. Il faudra veiller à être un peu plus discret, les papouses. On va voir si notre ami est un grand pisteur. Hé, là! Je parie que tu ne sais même pas ce que c'est. Mais si, facile! Un canard! Un canard? Ah oui! Allons vérifier ça. Hé, hey, Milgueule! Hé, hey, salut, Yakari. Qu'est-ce qui te rend si joyeux? C'est graine de bison, il a vu tes traces, il t'a pris pour un canard. Moi, un canard? Ton ami avec une pompe et l'esprit en verre de fer. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? D'accord, c'est un castor. On n'a pas idée d'avoir des pattes palmées quand on est couvert de poils. Allez, arrête de faire cette tête, graine de bison. Yakari, viens voir ça. Quoi encore? Un castor à plumes? On dirait une... Oh, une empreinte de bison. C'est la plus grande que j'ai jamais vue. Elle est vraiment énorme. Le plus gros bison du monde. Un bison géant. Si on le trouve, on deviendra les pisteurs sioux les plus respectés. Oui, tu imagines, Yakari? Si en plus on pouvait le capturer. Respect pour les meilleurs chasseurs de la tribu. C'est incroyable. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La piste se sépare en deux. Deux bisons? Comme si le bison géant s'était divisé en deux. Suivons chacun une piste différente, d'accord? Tu imagines? S'il y en a deux, cela nous en fera un chacun. Qu'en penses-tu, petit tonnerre? C'est étrange en effet, mais... Celui qui sait dit souvent que la nature est pleine de surprises et qu'on ne peut jamais tout connaître. C'est peut-être le bison géant. Ah, c'est toi. On tourne en rond. Bon, il reste une piste à suivre. Tout ça n'a aucun sens. Ah, regarde ça. Un autre mystère à élucider. Le canyon. Le bison n'a pas pu s'envoler. Et pourquoi pas? Si c'est un bison magique. Il doit y avoir une autre explication. Allons voir de l'autre côté. Impossible. Il n'a pas pu sauter, c'est bien trop large. Bien sûr que non. Il a volé au-dessus du canyon. Un bison volant. Je n'y crois pas. Moi non plus, mais j'aimerais comprendre. Hé, Yakari, viens voir. Qu'est-ce qu'il a bien pu voir cette fois-ci? Allez. Tu ne vas quand même pas me dire qu'il a grimpé dans cet arbre. Hey, pourquoi pas? Si c'est un bison magique. Ah là oui. En tout cas, il est redescendu, le bison magique. Et la trace est très récente. Il n'est pas loin. On va le débusquer. Suivons-le quand même. Incroyable! Le bison géant est venu ici, Yakari! Quoi? Il serait entré dans notre campement? Il a dû se faire remarquer.
Il n'y a plus aucune trace. Il a encore dû s'envoler. Je t'assure, Arc-en-Ciel, c'est incroyable. Une empreinte énorme, plus grande que tout ce que tu as jamais vu. Un bison géant? C'est extraordinaire. En effet. Oh, comme une montagne. Et en plus, il vole. Pas vrai, Yakari? Ça, on n'en est pas tout à fait sûr. Un bison géant? Et en plus, il vole? Et il grimpe dans les arbres, on l'a vu. Vous l'avez vu? On a vu son ombre, gigantesque. Et on l'a entendu. Pas vrai, Yakari? Un souffle énorme, comme le vent qui descend des montagnes en automne. Et son haleine, oh, horrible. Incroyable. Lourd, méchant, énorme. Et à quoi ressemblaient-elles, ces empreintes? C'est facile, je vais t'en dessiner une. Elles étaient exactement... comme celle-ci? Quoi? Un bison qui vole! Regardez, je vole! Je vous ai bien attrapé. Les grands pisteurs qui ne veulent pas d'une squo avec eux. Quoi? C'est pas possible! Les empreintes étaient très bien imitées, Arc-en-Ciel. J'aurais presque pu m'y laisser prendre. Elle vous a donné une bonne leçon de modestie. Un bison géant et qui vole en plus. Qui grimpe aux arbres. Attends que je t'attrape, bison volant.